Les derniers mois avant de mourir, Monet entreprend une série de tableaux. Un seul thème l'occupe, presque une seule œuvre, la maison dans les roses. Monet est sorti dans le jardin, c'est l'été. Il a fait installer son chevalet au milieu des massifs en fleurs. Et il peint le rose et encore le rose. La maison disparaît dans le tourbillon des couleurs. Elle n'est plus qu'une anecdote. Voilà plus de 40 ans que Monet s'est installé à Giverny. Il y a réalisé une œuvre qui est un enchantement, un véritable hymne à la nature. Une nature qu'il a faite sienne, qu'il a composée comme un tableau et qu'il a transformée jusque dans son relief. À Giverny, Claude Monet a conçu un jardin dont les couleurs suivent le rythme des saisons. Il y a créé un bassin comme un miroir tendu à la beauté du monde. Claude Monet meurt le 5 décembre 1926. On l'enterre dans le petit cimetière de Giverny, auprès de sa seconde épouse, Alice. Alice est morte 15 ans auparavant, un jour de printemps. Tout au long de sa vie, elle n'a cessé d'écrire, à Monet bien sûr, mais aussi à Germaine, sa fille, sa petite dernière. Du temps de Giverny, Alice a ainsi laissé toute une quantité de lettres qui en racontent la vie en toute intimité familiale. Ces lettres sont comme un journal, une invitation à partager avec elle le quotidien du peintre, ses humeurs, ses enthousiasmes.